Achtung! Achtung, schnell zum Satan! Bon, je pense qu'on va vraiment finir par croire à la loi des séries. Je viens à l'instant de ressortir une plaque militaire qu'on a frottée. Donc là, c'est une plaque d'identification Première Guerre mondiale. Donc encore une fois, il va y avoir un travail de recherche à faire pour retransmettre ça à la descendance. C'est incroyable. Les informations figurant sur cette plaque, bureau de recrutement, classe, matricule et nom, nous ont conduits sur le site des archives militaires de la Loire. Les recherches nous ont rapidement conduit sur la fiche militaire de notre poilu. Mais qui était Claude Poncet? Pour le découvrir, nous nous sommes rendus dans la Loire. En effet, de plus amples informations nous ont permis d'y localiser sa descendance. C'est au beau milieu des monts du Forêt, entre Rhône et Loire, que se situe le petit village de Saint-Denis-sur-Coise. Fils de cultivateur, né en 1896, il passera sa jeunesse dans la ferme du Bécotte, à Saint-Denis-sur-Coise, où il contribuera aux côtés de ses parents au développement des activités agricoles. En 1914, la France est un pays majoritairement rural. Près de 40% des actifs, soit plus de 9 millions de personnes, travaillent dans l'agriculture, la pêche ou la sylviculture. Environ 50% des engagés seront issus du monde agricole. 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse la duchesse de Hohenberg sont assassinés par le nationaliste serbe Gavrilo Principe. Le 28 juillet 1914, la guerre commence. Claude Poncet n'a alors que 18 ans. Le 9 avril 1915, il est incorporé au 86e régiment d'infanterie au Puy-en-Velay, où il effectuera ses classes afin d'apprendre le maniement des armes, le combat au corps et la vie militaire théorique. Ce bleu de la classe 1916 passera brièvement par le 38e régiment d'infanterie. Mais ses principaux faits d'armes, il les fera au sein du 26e régiment d'infanterie, qu'il incorpore le 25 avril 1916. Claude Poncet participe à la bataille de la Somme. Fin juin 1916, la première grande offensive se prépare. Le lieutenant-colonel Coman, du 26e régiment d'infanterie, en laissera quelques traces dans le journal des marches et opérations des corps de troupes. Il raconte. Les Allemands déclenchent les 29 et 30 juin, entre 2h et 3h du matin, de très violents tirs de barrage sur l'ensemble du secteur. Depuis l'entrée sur ce secteur de la Somme, le 26e régiment d'infanterie a déjà subi 19 pertes et compte 33 blessés. Mais la grande offensive franco-anglaise est prévue pour le 1er juillet, 7h30. Coman dit. À 8h15, l'objectif assigné au régiment est atteint avec des pertes insignifiantes. Un peu plus tard, les bataillons sont arrêtés en terrain découvert. Les hommes doivent creuser des éléments de tranchée avec des outils portatifs sous un bombardement qui devient plus violent au cours de la journée. Des pièces de 88 situées dans des abris colmatés à peu de distance de notre première ligne tirent dès qu'un homme se montre et de ce fait nous causent des pertes sérieuses. 35 soldats sont tués. 197 sont blessés au cours de cette première offensive du 26e régiment d'infanterie dans la Somme. Claude Poncet en fait partie. Touché à la cuisse gauche par un éclat d'obus à Maricourt, il restera à l'arrière du front jusqu'au 22 juillet. Les alliés ne progresseront que de 12 km au nord de la Somme, entre Maricourt et Saïs-Saïzel, et 8 km au sud. La percée tant attendue par Joffre s'est une fois de plus transformée en une bataille d'usure. Aucun des objectifs principaux, que sont Bapaume et Péronne, n'est atteint. Pire, cette bataille aura coûté la vie à plus d'un million d'hommes. L'horreur vécue lors de la bataille de la Somme est perceptible dans le courrier envoyé par les soldats à leurs proches. Dans une lettre à son ami Stefan Zweig, l'écrivain expressionniste allemand Paul Seck s'exprime ainsi. Mon cher ami, je n'aurais jamais cru qu'il puisse encore avoir quelque chose qui surpasse l'enfer de Verdun. Là-bas, j'ai souffert atrocement. Maintenant que cela est passé, je puis le dire. Mais ce n'était pas assez. Maintenant, nous avons été envoyés dans la Somme. Et ici, tout est porté à son point extrême. La haine, la déshumanisation, l'horreur et le sang. Je ne sais plus ce qu'il peut encore advenir de nous.
je voulais vous saluer encore une fois. Peut-être est-ce la dernière. Après la dure bataille de la Somme, le régiment de Claude Poncet restera en Meurthe-et-Moselle, avec pour objectif de conserver les terrains reconquis et consolider certaines positions, dans un calme relatif. Fin mars 1917, le 26e régiment d'infanterie prend la direction du chemin des Dames. Le 24 mars, alors que les soldats transitent jusque dans l'Aisne, une collision de transport de troupes se produit à Gondrecourt. Elle causera la perte de 26 hommes du régiment. Claude Poncet en réchappera. En avril, la bataille se prépare. L'objectif principal est de parvenir à percer sur la ligne du chemin des Dames grâce à une progression rapide de 100 mètres toutes les 3 minutes. Le 16 avril 1917, jour de l'offensive, le froid est glacial, la neige tombe. Les soldats, transis de froid et de fatigue, lancent l'assaut. Un véritable massacre s'opère. Bien retranchés dans des positions très peu entamées par les bombardements, les Allemands ouvrent un feu terrible sur les assaillants. Les Français sont piégés dans un déluge de feu et d'acier. Totalement à découvert, ils peinent à progresser sur des pentes boueuses. Les premières vagues d'assaut sont littéralement mises en charpie. Paul Clairfeuille, du 273e régiment d'infanterie, raconte. Avant de partir, nous avons fait une petite bombe. Comme nous ne savons pas si nous en reviendrons, il fallait en profiter. Une courte lettre à sa famille, presque un adieu, et en route. À présent, voici une heure que nous attendons. La première vague part, mais aux deux tiers fauchés par les mitrailleuses ennemies qui sont dans des petits abris en ciment armé. Nous devrions être partis depuis trois quarts d'heure. Nos camarades de la première vague ramènent 30 prisonniers, puis c'est à nous de partir, car le signal est donné à notre régiment. C'est le premier bataillon qui part le premier, puis le nôtre. Hélas, nous sautons sur les parapets et arrivons sur la petite route de Hulch à Craonel où aucune circulation n'a lieu depuis 4 ans. Puis, nous sautons dans les champs. Les mitrailleuses et les obus pleuvent autour de nous. Nous heurtons des morts de la première vague, ainsi que de notre régiment parti il y a 15 minutes. Le massacre durera 4 jours, avant que les ordres ne changent, avec des attaques placées et réduites. L'infirmier Henri Meyer décrit l'horreur. Je repense aux blessés du chemin des Dames. Je revois toujours leur visage terreux, apeuré, luisant de sueur, inondé de larmes. Je n'oublie pas leurs suppliques. Je sens encore leurs mains m'agripper à ma blouse souillée. Moi, camarade. Avec la bataille du chemin des Dames, le moral des troupes est sapé. Les hommes, envoyés à une mort certaine, refusent d'accepter des ordres aberrants venant de la hiérarchie. C'est le début des mutineries. Il faudra attendre le 24 octobre 1917 et une nouvelle offensive soigneusement coordonnée pour que le verrou allemand saute sur ce front à hauteur du fort de la Malmaison. Les Allemands seront contraints d'évacuer une zone qu'ils reprendront en mai 1918. Quant au 26e régiment d'infanterie, basé autour du secteur de Bray-en-Léonois jusqu'au 19 mai, près de la ferme Malval, dans les tranchées de l'Aigle, de la Buse ou du Vautour, il endurera des pertes conséquentes. Plus de 120 morts et 300 blessés. Le chef de bataille de la Guillonnière, commandant provisoirement le régiment, écrit. Les hommes, fatigués par plusieurs semaines de combat ou de séjour en ligne, manquent de sommeil. Doivent toutes les nuits porter du matériel ou travailler en première ligne sous un tir de harcèlement perpétuel de l'ennemi qui, la nuit, redouble d'activité. Par la suite, le régiment restera en arrière du front, dans l'Aisne, jusqu'au 15 juin, avant de rejoindre la Lorraine. Claude Poncet survivra au chemin des Dames. Sans blessure physique, mais à quel prix? Il ne le sait pas encore, mais le plus dur est à venir. Le 21 juillet 1917, le 26e régiment d'infanterie occupe le secteur de Beaumont, Richecourt et Fliré, en Meurthe-et-Moselle. La nuit du 30 au 1er juillet, le régiment est la cible d'une attaque au gaz asphyxiant, l'hypérite. Le chef de bataille raconte. À 1h15, au nord-est du bois Romière, on entendit crier en français. Lâchez tout! La nappe atteignit aussitôt nos tranchées, accompagnée de tirs de mitrailleuses et de bombardements. À ce moment, beaucoup malheureusement étaient occupés à poser des réseaux de fils de fer ou à creuser des tranchées. Notamment toute une compagnie, la première, une section pionnière à notre droite. Ce furent les plus atteints. Ils durent en effet se reporter en arrière dans un dédale de boyaux de tranchées et réseaux de fils de fer barbelés, trébuchant à chaque pas. Beaucoup perdirent leurs masques et les déchirèrent. Les secours furent apportés immédiatement,
mais ceux qui avaient subi l'intoxication ne vécurent pas longtemps. Beaucoup, même, qui paraissaient n'avoir été que superficiellement atteints par les gaz, moururent des ravages du poison, quelques jours après l'attaque. Cette attaque, elle causera la mort de 350 hommes du régiment de Claude Poncet. Ensuite, c'est l'accalmie. Jusqu'au 18 janvier, les soldats participent activement au renforcement des défenses, la restauration des installations et auront de longues périodes d'instruction et d'entraînement. Le 25 janvier, le régiment de notre poilu arrive à Audremont et Verdun, où ils doivent maintenir les positions. Les Allemands déchaîneront les enfers pendant plusieurs jours, multipliant les attaques au gaz, les tentatives de percer par bataillon entier, sans compter les nombreux combats au corps à corps, à la baïonnette. Claude Poncet sera blessé sur le front de Verdun, une intoxication à l'hypérite le 15 mars, qui le mènera à l'arrière du front jusqu'au 22. À son retour, il sera cité à l'ordre du régiment, suite à un acte héroïque, probablement à la suite de plus de 52 jours de bataille acharnée en Meuse. Très brave soldat, toujours volontaire pour la mission périlleuse, se distingue dans toutes les affaires, entraînant ses camarades par son exemple. La guerre n'est pas encore terminée pour le 26e régiment d'infanterie, qui doit faire face à l'ennemi sur plusieurs fronts successifs, dans l'Oise et l'Aisne. Dans l'Oise, les 8 et 9 juin, les troupes doivent faire face à une terrible offensive allemande dans le secteur de Montgérin et Méry. Ces deux jours de bataille acharnée auront coûté la vie à 45 hommes et en blesseront 87. Cette bataille est à l'origine d'une citation à l'ordre du régiment. Sous le commandement du capitaine-adjudant-major Knecht et des commandants de compagnie Ascola et de Certains, chargés de la défense d'un village, point d'appui extrêmement important, ont résisté pendant deux jours et deux nuits à des attaques acharnées de l'ennemi, contre-attaquant à leur tour et lui infligeant des pertes sévères. Ont perdu 7 officiers sur 8. Fin juin, le régiment se trouve dans l'Aisne, où il doit maintenir les nouvelles positions. L'ennemi ne montre pas une activité excessive, mais continue à causer des pertes jour après jour. Le régiment est alors en approche du secteur de Fossé-en-Bas, où les combats font rage. Les pertes sont alors sévères, avec 86 morts et 128 blessés. Plus de 300 Allemands seront faits prisonniers. Mais ce n'est pas fini. La prochaine offensive de juillet conduit à la prise du plateau de Pernon. La bataille est d'une grande violence, et les Allemands très bien préparés résistent. Les pertes sont lourdes. Plus de 150 tués, pas moins de 300 blessés. Plus de 1000 Allemands sont faits prisonniers. 28 juillet, Claude Poncet est grièvement blessé à la jambe droite, par un éclat d'obus. Il restera en convalescence, jusqu'à la fin de la guerre. Paul Grange, fondateur du journal Le Coq Pelot, passionné de la Première Guerre mondiale, revient sur le parcours de notre poilu. Il a une citation, hein. C'est pas tout le monde qui a une citation. Ça veut dire qu'il a fait un acte de bravoure qui a été reconnu. Alors, il faut, la date où il a donné ça, c'est que dans les semaines ou les jours précédents, il y a dû y avoir un acte de bravoure lors d'un combat. Donc le récit du JMO raconte ce combat, alors il ne cite pas le nom du bonhomme, mais il a été reconnu comme ayant fait un acte de bravoure. Donc s'il fait un acte de bravoure, ça veut dire qu'il a un comportement habituel à se comporter comme un bon soldat. Pourquoi c'est un héros? Parce qu'il a été blessé et qu'il est revenu après. En plus, quand on regarde les récits des JMO, il a participé à des combats qui n'étaient pas des petits combats. Donc, quand il a été blessé à Verdun, c'est une bataille importante. Il a participé le premier jour à la bataille de la Somme, il a été blessé. En 1917, il était au chemin des Dames. Et en 1918, c'est lui qui a, avec son régiment, qui a repoussé les Allemands dans l'Aisne. Donc je veux dire, il n'était pas planqué. Le 11 novembre, la guerre est finie. Les différents partis se réunissent à Retonde pour signer l'armistice. En 1919, le 26e régiment d'infanterie embarque pour Metz, où il restera du 21 avril au 16 juin. L'histoire ne nous le dit pas, mais c'est probablement lors de son passage à Metz que Claude Poncet a perdu sa plaque d'identité, sur le secteur de Voipy. Le 22 septembre 1919, notre poilu est envoyé en congé illimité de démobilisation et se retire à Saint-Denis-sur-Coise.
Il sera décoré de la médaille militaire le 23 avril 1931 et libéré définitivement de toute obligation militaire comme père de 6 enfants vivants à compter du 19 décembre 1934. Des enfants, il en aura eu 13, dont 11 toujours en vie. Nous avons décidé de les rencontrer afin de leur remettre la plaque militaire de leur père. Bon, bureau après. C'est trop tôt là. Tu veux passer devant, c'est sur place, nous avons cherché à savoir si Claude Poncet avait raconté ce qu'il avait vu et vécu lors de la Grande Guerre. Il n'a jamais parlé de la guerre. Mais comment expliquer un tel silence? Paul Grange nous fait part de ses impressions. En général, très peu parlé. Sauf certains. Il y a des gens là qui m'ont dit, mais mon père, il m'a beaucoup parlé de 14-18. Pour pas se mettre en avant aussi. Et puis, je crois qu'ils n'avaient pas les mots pour en parler. Pour dire quoi? Ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vu. C'est évident que c'était vraiment une horreur. Elle, le brancardier, il passait quelques jours après, voyait le crâne du bonhomme qui était mangé par les rats. Enfin, c'est des trucs absolument affreux, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ces gens-là. Donc, ils n'avaient pas les mots pour le dire. Et de retour, ils avaient sans doute aussi envie d'oublier ces horreurs. C'est trop dur de garder ça. Pour conclure cette journée riche en émotions, Daniel Bonnier, maire de Saint-Denis-sur-Coise, a prononcé ces quelques mots. C'est d'abord vous remercier, vous, la famille Poncet, d'avoir m'avoir invité. Remercier Alain et Marie-Odile, c'est eux qui m'ont invité à cette journée. Une journée très sympathique, une journée qui est un petit peu exceptionnelle quand même, parce que sans la mémoire d'un homme qui s'appelle Claude Poncet, et qui est un homme qui a passé la plupart de sa jeunesse à la guerre. Les meilleures années, je crois qu'il les a passées à la guerre. Il s'est battu, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme ça. Il y en a qui ont laissé leur vie là-bas, il y en a qui sont revenus blessés, qui ont été marqués pendant toute une vie. Et je crois qu'aujourd'hui, ça mérite vraiment d'être pris en compte, et puis surtout qu'on se rappelle de tout ça. Parce qu'on a trop souvent à dire, oui, ils ont fait la guerre, nous on l'a pas faite, on a eu la chance, mais c'est d'y penser, de dire, voilà, ces gens-là, ils ont souffert à la guerre, ils ont souffert après, parce qu'ils ont souvent, ils ont gardé des blessures dues à la guerre. Si cette journée s'est faite aujourd'hui, c'est grâce aussi à deux jeunes, je ne sais plus leur nom. Pierre et Jonathan. Pierre et Jonathan. Pierre et Jonathan, qui ont trouvé la médaille de M. Claude Poncet, qui ont mené les choses vraiment, je dirais, vraiment tambour battant, et qui sont allés jusqu'au bout. Puisque moi, ils ont commencé par m'appeler à la mairie en me disant, voilà, de trouver une médaille de M. Claude Poncet, mais Claude Poncet, moi, je ne savais pas qui c'était, parce que je n'ai pas connu M. Poncet. Et j'ai dit, il y a des familles Poncet, on en a 3 ou 4 sur Saint-Denis, je peux vous aider si vous voulez, mais ils avaient déjà commencé leur recherche et je crois qu'ils sont bien ébrouillés puisqu'ils sont arrivés à trouver la bonne personne et la bonne famille en trouvant ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Je crois que c'est grâce à eux. Ils ont mené un travail, je crois qu'ils ont fait un beau travail en la reconnaissance de M. Claude Poncet et aujourd'hui je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont bien travaillé. Bravo. Extraordinaire, parce qu'il aurait pu trouver la médaille, dire bon, on l'envoie, puis voilà, débrouillez-vous. Non, vous avez fait l'effort de venir jusqu'ici et la remettre en main propre à la famille, aux enfants de Mme Poncet, aux enfants qui ont fait un réveil, mais en l'occurrence aux enfants. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de vous recevoir à Saint-Denis, que vous ayez fait ça à Saint-Denis, parce que c'est quand même quelque chose, parce que c'était le village de M. Poncet. Vous avez fait la fête ici, vous êtes retrouvé ici, à sa mémoire, bien entendu, et ça s'est passé à Saint-Denis, et moi, en tant que maire, je tiens à vous remercier de l'avoir fait ici. Voilà. Merci. Il y a aussi le fait qu'on a, après 14-18, mis en valeur ceux qui étaient morts. Mais on a parlé des batailles, des morts, des blessés, des tués. Mais on n'est pas allé dans le quotidien du soldat pour raconter comment ces gens-là ont pu tenir le coup. Two, three, four.
moments ago, I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. Don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway.